Pourquoi on vient de rouler sur ça? Enfin, qu'est-ce que ça fait là? Tu vois ou pas? C'est une valise. Tire. Ah. Vas-y, tire. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attends, donne-moi ça. Ah, c'est dégoûtant. Salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Oh, wow. Attends, mais c'était quoi ça? On vient de rouler sur quelque chose là. On vient de rouler sur un truc là, comme mais un gros caillou. C'est attends, pas possible. Attends. Moi, j'y vais pas comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Un téléphone. Attends, vas-y, prends. C'est en dessous de la roue là? Ah c'est bon, on arrive à le prendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Mais pourquoi on vient de rouler sur ça? Enfin qu'est-ce que ça fait là? Vite attends, rentre dans la voiture. Et regarde, t'es pas pink. On vient de rouler sur ça. C'est bizarre, j'ai senti effectivement une chute pousse. C'était pas en dessous de la roue. Il est même pas rayé. Ouais bah je sais pas. Il est pas rayé en plus. Non. Mais c'est quelqu'un qui l'a perdu, c'est pas possible. En fait on a roulé dessus et on a un peu glissé en arrière et du coup bah il s'est libéré. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est quelqu'un qui l'a perdu, c'est sûr. Ouais bah quelqu'un qui l'a perdu ou qui l'a jeté, bah je sais pas, il a plus de batterie. Mais pourquoi il aurait jeté? Vas-y, on essaie de l'allumer, il a plus de batterie. Non. Bon, bah là les amis, on va essayer de le recharger. Parce que bon, sur notre chaîne, vous savez qu'on a eu plein de problèmes déjà avec des téléphones qu'on a trouvés, qui étaient en fait des téléphones hantés. Et une fois qu'on réussissait à les allumer, il nous donnait des rendez-vous, on trouvait des photos bizarres dessus, des photos un peu de monstres et tout. Bon, allez. Non, moi j'ai plus envie d'avoir affaire à des téléphones. Ouais, mais il faut le charger, ça tombe, c'est à quelqu'un qui l'a perdu. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Esteban. Bon, allez, on va sortir de la voiture et on va demander. Mais là, parce pas que là-bas, il y a des gens, bon, on les voit pas parce que la vitre est grillée, tout ça. Il y a des gens, on va leur demander s'ils ont perdu un téléphone, ok? D'accord. Bon, allez, cache-le. Parce que regardez, mon téléphone a rien à voir avec, c'est même pas la même couleur, tout ça, donc c'est même pas mon téléphone et il fonctionne plus du tout. Bon, allez, on sort. On sort. Allez, hop, et on va demander aux gens. Ça tombe, on va trouver d'autres trucs étranges sur la route. D'accord. Ou des indices. Attends, t'es sûr qu'on n'a pas de chargeur de téléphone? Bah non, on ne balade pas avec des chargeurs. Bon bah voilà, bon, on croise vraiment personne. Regardez, on est comme sur un port. Il y a des péniches et tout, c'est trop étrange. Là, il y a le brouillard. Ouais. Franchement, il y a personne. Bon, on va un petit peu avancer et on se donne rendez-vous si on trouve quelque chose. Mais là, on comptait demander à des personnes. Ouais, il y a plein de mouettes, il y a plein d'oiseaux qui font des bruits bizarres. Mais bon, allez, c'est parti. On va avancer. Si on croise des gens, on leur posera la question. Ouais. Donc là on est en train de se promener tout ça et on est en train de voir s'il n'y a pas des gens sur les péniches. Attends, attends là, je suis en train de zoomer sur un truc. Tu vois ou pas? C'est une valise. Elle est retenue par une corde. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Attends, vas-y, on y va. On va y aller. Attends, il faut aller sur le pont là qui traîne. Doucement, Lily Rose. Attendez. Donc là les amis, on sait pas ce que c'est du tout. Il y a une valise qui est au bout du pont, ça tombe, c'est un indice supplémentaire. Allez vite, on y va. Alors regardez sur quoi on doit marcher là, sur un pont comme ça. Bon, c'est assez solide, c'est fait exprès. Mais regardez. Oh punaise, des oiseaux. Franchement, on n'a jamais fait une vidéo dans un cadre comme ça. Trop bizarre. Ouais, oh vas-y. Vas-y, attends, tire la corde, Lily Rose. Attends, Peppa Pink, reste là-bas. Vas-y. Vas-y, tire. C'est bon. C'est bon, on l'a. Ouais. Elle est toute trempée. Ah, oh, c'est dégoûtant. Bon, attends, elle était accrochée à une corde comme ça. Ah ouais, vas-y, décroche la corde qui est sur le truc là. Alors, allez, c'est parti. Ah, vas-y, ça doit. Oh, bah, c'est un nœud tout simple. Ouais. Bon, ça va, les amis, on a de la chance quand même. Le truc est pas super bien accroché. On va pouvoir l'enlever. Ouais. Et bah, surtout, je pense qu'on va l'amener chez nous. Oh, ne me touche pas avec la corde mouillée là. Bon, allez, c'est parti. On va y aller, on l'amène chez nous. C'est vraiment bizarre. Ouais, on y va. Allez, on met ça dans le coffre de notre voiture et on va la déballer chez nous. Allez, j'espère qu'il n'y a pas de code ou de clé à avoir. Ouais. Et c'est trop bizarre. Mais du coup, bah, on n'a toujours pas de réponse pour le téléphone. Ouais. Je pense qu'on va le prendre chez nous et on va le brancher à un truc spécial ou sur l'ordinateur pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça va, t'es là, toi? Ouais. Allez, vite, parce que le pont là, même s'il est solide. Allez, vite, dépêche-toi. Et non, mais prends la valise par la hanse. Elle va pas traîner la valise avec la corde. Allez, c'est parti. Ah, elle goûte. Oh. Ah, elle met plein d'eau partout là. C'est pas pink. Allez, dépêche-toi là. Depuis tout à l'heure, il a peur de la valise. Moi, ça m'intrigue de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là, la valise, elle est chaude, elle chauffe et tout. Et on sait pas pourquoi. On entend des bruits bizarres. Ouais, bah en même temps, il y a que des oiseaux ici. Je sais pas si on les voit bien ou si on les entend avec la caméra là. Je crois pas que mais c'est on a croisé seulement deux ou trois pêcheurs trop bizarres. Mais c'est étrange, cette valise là qui était attachée. Ouais, qui était attachée comme si qu'elle attendait que quelqu'un la trouve. En plus, il traîne la corde. Bon, la corde, c'est foutu. Hein. On l'utilisera pas. Qu'il a peut-être caché. Ouais, en plus l'eau ici elle est sale, regardez, tout est inondé, tout est sale ici. C'est comme une ancienne usine, un truc comme ça. Enfin, d'ailleurs on fera peut-être des vidéos dans les bâtiments hantés, parce que là franchement c'est pas mal, ça serait pas mal de visiter ça. Bon allez, c'est parti. On y va. Allez, il y a que les oiseaux qui parlent ici, ils parlent bien, depuis tout à l'heure ils sont là.
Allez, vas-y, rentre dans la voiture. Ah là là, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a sur ce téléphone là. Il est toujours là, un petit iPhone, ça c'est un iPhone 7 je pense. Allez, c'est parti, on y va. Let's go, 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 go. Bon bah les amis, regardez, j'ai mis des petits gants, tout ça. La valise est posée dans la chambre de Lily Rose. Bon alors là j'ai mis un sac poubelle en dessous, tout ça. Bon d'ailleurs venez là. Allez hop, ils ont peur d'ouvrir la valise. Lily Rose, c'est intrigueux quand même, hein. Lily Rose, bon alors, Lily Rose tiens, voilà. Ok. Ça c'est le téléphone, branche-le. Ok. Mets-le à charger. Voilà, enlève ton téléphone, comme ça on va voir s'il y a des informations dessus. Et là Peppa Pig, tu vas tenir la caméra. Parce que bon là j'ai mis des gants exprès pour pouvoir pouvoir opérer la valise. Allez, c'est parti, bah, ça s'allume pas, c'est normal. Lily Rose viens, Lily Rose viens. Allez, regardez-moi surtout, hein. Enfin regardez-moi, attends. Attends déjà, viens rapproche-toi là. Regarde. Il y a des numéros. Il y a écrit 160, 190, 14. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Bon allez, c'est pas grave, allez. On va ouvrir, on va regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Allez, venez. Venez comme ça, vous allez être les premiers à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, rapprochez-vous là. Allez. Qu'est-ce que... Oh waouh. Waouh. L'intérieur est mouillé. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attends, donne-moi ça. Ah, c'est dégoûtant. Vas-y, donne-moi ça, tu vas ouvrir la boîte là. Alors, allez, dépêche-toi. Alors désolé, c'est Peppa Pig qui filmait, donc c'était un peu n'importe quoi, je pense. Non. Donc, hein, allez. Regarde. Attends. Une paire de lunettes. Non, mais c'est pas ça le plus important. Et puis... Un iPad. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez, il est tout griffonné là. On dirait qu'il y a du marqueur dessus. Non mais ouais bon ça c'est des lunettes anciennes. Elles sont mouillées ou pas? Non, elles ont été protégées par la boîte. Ah mais même cette boîte on l'a déjà eu. On l'a déjà eu quelque part dans une autre énigme. Regardez l'intérieur de la valise, il y a rien d'autre. Bon, il y a peut-être, on vérifiera, on va l'ouvrir, on va casser un peu le tissu tout ça pour voir s'il y a pas des trucs dans les dans la doublure là. C'est un truc rodel. Ah mince, le sol est mouillé. Ah c'est de l'eau du canal là. Ah c'est horrible, qui pue et tout. Bon allez, donc on a cette tablette là. Franchement je pense qu'on va l'allumer aussi. Regardez, c'est aussi un iPad. Je sais pas si elle a de la batterie ou pas. Essaye de l'allumer, Stéphane. Non, on verra après. D'abord on va se charger du téléphone, on va faire les trucs dans l'ordre. Ça, donc surtout restez bien pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais attends, on va regarder ce qu'il y a dans le téléphone là, vas-y. Ça va Lily Rose? Oui ça va. Bon, j'espère qu'on va pas avoir un rendez-vous bizarre. Vas-y Lily Rose, allume-le. Allez. Ça s'allume pas. Allez. Ça s'allume pas. Clique plein de fois sur le bouton là. Oh, c'est pas possible, il marche pas du tout. Non, il marche pas du tout, hein. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder s'il y a des trucs dans la tablette. Je vais la mettre en charge et on se retrouve dès que ça fonctionne ou dès qu'on a des indices supplémentaires. Mais là, c'est trop étrange comme histoire. Trouver une valise comme ça par hasard, mais trouver en plus avant un téléphone et en plus dans la valise avoir un iPad. Mais c'est fou. La prochaine fois, on va trouver un ordinateur. Ouais, on va trouver plein de trucs électroniques, mais bon, ça cache quelque chose. Bon bah voilà, on a réussi à allumer la tablette et quand on l'allume, ça nous fait ça. Montre. Regardez, regardez, et ça fait que ça. Je sais pas ce que c'est drôle. Ben c'est drôle, mais à la fois c'est bizarre, la tablette est bloquée sur cette image de vache qui marche avec ses pieds. C'est étrange. Tu crois que c'est un indice? Non. Je sais pas si c'est un indice, mais c'est une vache qui a. Je pense que quand on va connaître la vérité sur cette valise, on va moins rigoler, par contre. Ou c'est une personne qui a voulu se débarrasser d'une. Non mais c'est bizarre, la tablette est bloquée sur ça. Normalement, avec un iPad, on peut faire plein de trucs. Mais là, c'est étrange. Je vais essayer de travailler un peu sur la tablette, les amis. Donc là, je pense que je vais essayer de la brancher sur un ordinateur pour voir tout ce qu'il y a dessus. Vraiment tout ce qu'il y a dessus. Et pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs un peu étranges dans le même genre. On va faire ça. Une boîte. Et je vois pas l'intérêt pour une personne de juste mettre ça sur une tablette et d'ensuite rien faire du tout. Attends. Il y a un autre truc qui vient d'apparaître là. Pourtant, ça a pas. C'est une autre idée. C'est quoi ce truc? Bah, c'est pas un personnage dans Star Wars. Si. C'est quoi le rapport? Attends, il y a peut-être d'autres photos qui se sont débloquées. Attends, regarde. Attends, c'était quoi ça? Non. Attends, on a entendu un bruit là. Ouais, c'est ça qui est tombé. C'est tombé tout seul. Cette tablette. Attends. Mais c'est nous ça. Enfin, c'est Lily Rose et. Attends, c'est quoi ça? C'est des anciennes vidéos et tout. Mais ouais. Qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est quelqu'un qui nous suit en fait. C'est quelqu'un qui est abonné à nous. C'est trop étrange. C'est un abonné. Ouais mais c'est trop étrange. Pourquoi il y avait ça dans une tablette qui était sur l'eau? Mais ouais. Enfin sur l'eau. Dans une valise. Dans une valise.
C'est trop bizarre ce truc. Ouais, bon les amis, donc là, je vais faire ce que j'ai dit, je vais brancher la tablette à l'ordinateur et on se retrouve si on a des indices. Je vais faire pareil pour le téléphone, il s'allume toujours pas. Non. Et bon après on a eu cette paire de lunettes en indice, mais bon là par contre je sais pas du tout ce que c'est. Et si on met la paire de lunettes et on regarde l'écran. Vas-y. Attends, vas-y, fais ça. Il y aura peut-être quelque chose de spécial. Dis-moi si tu vois quelque chose. Et comme ça je mettrai les lunettes sur l'appareil photo pour que les gens le voient aussi. Oh attends, je vois effectivement. Tu vois quelque chose? Oui, mais j'arrive pas à déchiffrer, c'est tout des lettres. Attends, on va demander aux abonnés s'ils voient quelque chose, ok? T'es prêt? Oh là, attends, je vois plus. Attends. Vas-y, essaie de mettre les lunettes sur l'appareil photo. Vas-y, essaie de mettre les lunettes sur l'appareil photo. On va voir s'ils voient quelque chose. Je sais pas si. Je pense que c'est ça l'hyrose, la solution. Mais oui, attends, passe. Vas-y, dépêche-toi. Tu vas voir. Mets-le. Certainement autre chose. Attends. Ah non, je pense que pour l'instant c'est flou. On va essayer de voir autre chose. Oh, c'est bon. Regardez, c'est bon. Regardez sur l'écran de l'appareil photo. Hyrose. Quoi? Vite, viens. Regarde. What? C'est une radio. C'est une radio d'un bébé. Et je suis sûr que si on enlève la lunette, on voit plus la même chose. Attends. Vas-y, enlève la lunette de l'appareil photo. Bah voilà, c'est revenu à ça. Là, on a enlevé les lunettes de l'appareil photo. On a attendu 2-3 secondes. Ah oui, effectivement. Et là, regardez, sans la lunette, on revoit sans ça. Sans les lunettes. C'est trop bizarre. Ouais, donc là, les amis, je pense que. Bon, voilà, je vais aller sur l'ordinateur. Ouais. Parce que là, je vous l'ai dit au moins 15 fois, je l'ai pas fait. Donc c'est parti, on y va. Regarde.